Allez, bonjour à tous, c'est Starve, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, encore un vlog. Cette fois-ci, ça va se passer, je pense, de nuit. Donc du coup, la moissonneuse va arriver dans la soirée, donc on a tout préparé. Donc on a forcément le petit Renault ici qui est prêt. On va pouvoir voler avec le drone normalement, ça sera de nuit. Enfin, je verrai bien, il y aura des plans de nuit. Il y aura des plans que je ferai aussi demain matin quand il sera, qui seront dans la vidéo. Donc on verra bien si les plans de drone seront de nuit ou non. Je verrai s'il fait trop nuit, je volerai pas. Ici, on a la petite benne, pareil. Donc voilà, on va essayer de faire un petit vlog sympathique. Ça sera, je pense, de nuit, ça va être sympa parce que du coup, je vlog rarement quand c'est de nuit. Donc écoutez, on va attendre que la moissonneuse arrive comme d'habitude et ensuite on ira l'observer un petit peu au drone, on ira prendre le tracteur, on l'amènera au champ, etc. et puis on verra bien ce qu'on fera aussi demain. Les gars, en tant que bon youtubeur, je me promène avec mon matériel. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Du coup, on a le truc pour le GoPro. Ici, on a un petit trépied. Et ici, le Phantom 4 Pro. Donc voilà, je prends ça avec une petite carriole derrière, une petite remorque. Et du coup, je pense que je resterai à la ferme. Et le drone va largement assez loin pour aller jusqu'au champ. Donc je pense que je ferai ça depuis la ferme. Bon les gars, il est 22h30, la moisson n'est toujours pas là. Du coup, je pense pour ce soir, ça va être mort. Donc on se retrouvera demain pour faire des plans. Parce que là, il fait un peu nuit, on voit rien. Donc allez, à demain les gars. Bon les gars, on est le lendemain matin, la moissonneuse a moissonné un petit peu hier soir, environ une demi-heure, mais elle a été vite arrêtée par l'humidité. Du coup, elle est repartie. Là on est 10h du matin, donc c'est parti, j'ai pris mon petit drone qui est ici. On va essayer d'aller voir la moissonneuse avec le drone et puis on va essayer de sortir des petits plans sympas. Du coup, écoutez, c'est parti. Bon, du coup, on va démonter tout ça les gars, enfin, on va ouvrir le paquet. Donc, petit Phantom 4, on va essayer de faire gaffe de ne pas le péter cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci, non, pas cette fois-ci, mais on va essayer de faire gaffe quand même parce que ça vaut cher. On va ouvrir tout ça. Donc, en espérant qu'on va essayer d'aller. Du coup, on va rester depuis la ferme. Le drone peut aller assez loin sans part de signal, du coup, ça c'est cool. Ah oui, si j'ai pas les hélices, ça marchera pas. Allez, c'est parti les gars. On va le mettre sur sa surface de décollage. Enfin, on va essayer. Voilà, comme ça. Donc, on allume le drone. On allume aussi la petite télécommande. Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, le drone s'allume. Du coup, on va sur l'application DJI. Là, on part sur un petit tuto comment faire voler le drone. Hein. C'est parti. Voilà, j'espère que vous allez voir le drone, j'essaie de remonter un petit peu la caméra. Hop, on va se mettre comme ça, que vous voyez assez bien. Donc, alors, du coup hier soir j'ai volé un petit peu pendant la nuit, mais on voyait pas grand chose, donc du coup ça sert un peu à rien. Donc, écoutez, on est parti. On va faire petit décollage des familles, on va lancer l'enregistrement. On décolle. Et on est parti. Voilà. Bon, pour le moment il capte qu'un satellite parce que c'est au point paumé. Donc du coup on peut pas monter plus haut. J'essaie de vous montrer un petit peu. Mais ici j'ai un nombre de satellites et il faut que ça devienne vert ici. Donc en fait il faut attendre. Allez, 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 allez. Oui, c'est bon. Allez, on est parti. Ok, allez, donc c'est parti, on va monter. Donc voici un petit peu la ferme. C'est vrai qu'ils veulent voir un petit peu la ferme. Et du coup la moissonneuse elle est tout là-bas. Voilà, on va la voir tout là-bas. On va essayer de la voir. C'est parti. On va essayer de faire quelques petits pains sympas. Du coup, ceux qui veulent voir, ici c'est des melons, ici c'est des carottes. J'avais déjà fait une vidéo sur les carottes l'année dernière, hein, donc ceux qui veulent aller voir, vous pouvez aller voir. Alors, ah oui, d'accord, elle a quand même vachement tamé le champ. Il y a mon père qui est avec le tracteur là-bas normalement. Ouais, voilà, il y a mon père avec le tracteur là-bas. On va essayer de s'approcher un petit peu de la moissonneuse. On va se faire des petits plans sympathiques. Du genre, oh, oh, oh. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il va se dire, qui c'est qui vole autour de moi? Hop là, bon, non, j'ai les capteurs qui détectent la moissonneuse, du coup, je pourrais peut-être pas trop avancer. Hop 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 hop. Wouh, nickel. On part sur un plan sympa là. Écoutez, on va en profiter, je vais aller voir un petit peu mon père. Les andins sont droits, les andins sont plus droits que dans Farming, ça c'est sûr. Si vous kiffez, mettez un petit pouce bleu les gars, ça me fera hyper plaisir. Attends, on va faire regarder qu'il n'y a pas de pied, il file l'électrique quand même non plus. Donc on a le petit Renault qui était là, bah du coup ouais, hier soir il a vraiment fait, il a fait que deux rangées. Hein. Il a fait une ligne ici, une ligne là, et après il a arrêté, il a fait bon allez, la paille est trop humide. Donc du coup on range, et mon père qui est là, on va faire demi-tour, il me fait même pas bonjour, vous avez vu ça? Hop hop. Ah ouais, comme ça, des plans comme ça. Ah ouais, 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 ouais. Genre là, je me mets là, je fais ça. Et là, je monte, et là, je fais comme ça. Moi, je vais pas droit, mais voilà, vous avez compris le délire. Et là, j'incline la caméra. Oh, oh, c'est jouissif. Oui, c'est trop beau. Oh, la trémie est pleine, elle est bientôt pleine d'ailleurs. La trémie est bientôt pleine, les gars. Je pense qu'il va pas tarder à aller vider parce que la trémie, elle est vachement pleine. Vu d'en haut, c'est la trémie vachement pleine. Donc, je pense qu'il va aller vider. Je vais essayer de filmer ça quand il vide, et puis voilà. Ah, petit bourrage les gars, je crois. Ou alors la trémie est pleine. Je crois que la trémie est pleine, je sais pas, il vient de s'arrêter. Je crois que... Bah, je sais pas, il vient de s'arrêter, je crois que la trémie doit être pleine les gars, donc il va aller vider. On va aller voir ça, on va vite voir s'il met la goulotte. Je pense que ouais, regardez. Regardez comment c'est bien plein en haut. On va aller voir ça. On va essayer de vous filmer ça tranquillement, faire des petits plans sympas.
Ok, on filme ça. Oh, ok, ouais, ça, il met la goulotte. On va essayer aussi de pas se bouffer les fils, c'est peut-être aussi bien. On va essayer de faire un petit plan sympa. Une petite miniature, vous savez quoi, on va faire une petite miniature. On va se mettre là. Je fais tout en direct, les gars, je fais absolument tout en direct. Je cherche pas à comprendre. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà, c'est pas beau comme ça. Nickel. C'est vraiment stylé, franchement, ouais. C'est vraiment stylé. Après, la remorque de mon père, elle est vachement grande aussi. Hein. Enfin, elle est vachement grande. Par rapport à. Par chez nous, oui, elle est vachement grande. Sinon, elle est. Ouais, dans des régions, vous avez des bennes énormes. Nous, le maximum, ça fait 6-7 tonnes et tout, c'est au max. Ok, bon voilà. Regardez les gars, on voit bien la trémie ici. Franchement, c'est stylé. Par de haut, bon, je sais déjà à quoi ça ressemble une trémie. Mais regardez la vidéo, c'est vraiment stylé. Et puis on voit que c'est vide. D'ailleurs, elle doit être pratiquement vide là, la trémie, je pense. Ok, bon voilà, la moissonneuse s'en va. Ok, bon, bah allez, c'est parti, elle va recommencer à moissonner. Moi, je pense que je vais aller. Je vais revenir me poser, puis je ferai peut-être d'autres plans plus tard. Je pense que je ferai d'autres plans plus tard et puis voilà. C'est parti, on revient à la ferme les gars. Je sais pas si on va le voir arriver, je vais essayer de le mettre correctement. Je referai d'autres plans plus tard, je pense que je vais refaire des plans avec la GoPro. Parce que si je passe tout le vlog à faire des plans avec le drone, c'est moyen quoi. C'est un peu moyen. Alors, il est où? Il est là. Bonjour, je suis là. On va le réceptionner. Voilà. Bon, mais voilà les gars, on est arrivé. Regardez-moi ça, ce truc là. Ça, c'est tellement stylé. Regardez, la caméra elle reste tellement droite. Bon, mais écoutez, je vais essayer d'aller dans le champ ou faire quelque chose comme ça. Je vais essayer de faire des plans dans le tracteur. Du coup, c'est parti, on se retrouve juste après. Alors il s'est passé pas mal de temps, j'ai pas pu filmer, je suis désolé. Donc du coup on a fait à peu près les trois quarts de toute la moisson. Donc regardez un petit peu, là on est dans un autre champ. Il nous reste du coup un champ derrière ce tournesol là. Maintenant il nous reste deux champs, donc il nous reste à peu près 5-6 hectares à moissonner. Même pas, et puis du coup ça sera terminé. Donc je suis désolé si j'ai pas eu le temps de tout filmer, encore une fois désolé. Mais j'ai pas trop eu le temps, j'étais dans la moissonneuse et tout. Et puis j'ai pas pensé à filmer. Donc voilà, mais écoutez, on va essayer de faire d'autres petits plans. Sinon la vidéo va être un petit peu courte. Donc mais voilà, à tout à l'heure. Donc du coup là ce champ c'est le champ où c'est qu'il fait mon tout premier vlog sur ma chaîne, c'était avec cette caméra et voilà c'était ce champ là je me rappelle. Donc voilà, ça fait bizarre de revenir ici mais non voilà. Donc du coup je pense pas que j'aurai, je pense pas vous filmer du coup quand la presse va arriver parce que ça sera jeudi et du coup la vidéo on est mardi quand je tourne cette vidéo. Donc du coup je pense pas qu'il y aura ces plans là, s'il y en a j'en ferai, je le mettrai au montage. Ah il y a un problème.
Paris, il y a un problème de courroie. Bon, il va voir ce qui se passe. Il va vider quand même, mais c'est bizarre. Régime ville d'alimentation nul, donc c'est bizarre. Pourtant il s'attourne toujours, donc c'est bizarre. On regarde s'il n'y a pas de problème de courroie ou quoi, mais... On est en train de tout vérifier pour voir d'où vient le problème, mais c'est vraiment bizarre. On pense que c'est un capteur parce que pourtant tout tourne, donc ça devrait être bizarre. C'est bizarre, voilà. Il va encore retester. La machine et la barre de coupe pour essayer d'y voir un peu mieux. Ah non, non, ici la seule solution c'est un manchot. Hein. Ça tourne vite ça ou quoi? Regarde la main vite quand même. Hein. Parce que pour changer un axe, ah, mais... ah ouais, ça s'est cassé là. Mais du coup, on va aller vider vu qu'on est en panne. Bon les gars, on allait vider la benne du coup au silo, on est revenu à la ferme. La moissonneuse est toujours en panne, ils sont en train de bricoler un petit truc pour essayer de la refaire fonctionner juste pour ce soir pour finir. Sinon ils auront la pièce que demain, donc du coup c'est l'arbre de la vis d'alimentation qui a cassé. Donc on peut pas moissonner. Du coup pour l'instant mon père est avec le Renault 751 avec une petite benne. Et du coup il remplit les silos pour les semences de l'année prochaine qu'on garde en stock juste ici. Je vais vous montrer. Il y a une vis ici, et ça se vide dedans. Donc on s'en sert pour les poules, les animaux qu'on a, et forcément pour les semences de l'année prochaine. On a redémarré avec un peu de retard, on a pris une heure et demie de retard, mais tout est reparti dans l'ordre. Je vais prendre un tracteur qui est ici, et on va l'amener dans le champ, c'est parti. Donc du coup les gars, je suis avec le Lamborghini, je sais pas trop si on m'entend. Je vais commencer à aller dans le champ, il y a déjà un bac qui a déjà 7 peines que je vais amener. Et mon père va arriver plus tard avec ce tracteur là. Bon voilà les gars, je suis arrivé au champ. La moissonneuse a fini de vider dans le bac là-bas. Et elle va reprendre le champ. Pour l'instant elle essaie de passer, je crois qu'il y a un fossé donc c'est un peu la merde. Je vais essayer d'aller voir ça. Bon ben voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a fini de moissonner, la moissonneuse est partie. On a ramené les deux tracteurs à la ferme. Donc bon, il y a vraiment pratiquement rien. Les deux bennes sont pratiquement à peine à la moitié. Donc du coup voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un énorme pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et puis s'il y en a qui demandent si la récolte était bonne, mais franchement ça va. Il y a eu assez de rendement. On a fait je crois plus de 60 quintaux. Bon chez nous c'est vraiment hyper bien. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Donc voilà. Allez merci d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que ce sera le dernier vlog moisson cette année. Ça suffit. J'en ai fait assez, je pense. De toute façon c'est fini. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre
mettre un énorme pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. C'était Stardew, allez, ciao!